détailler les accomplissements puisque c'est l'ensemble de sa thèse. Et du coup, voilà. À toi la parole. Merci. Merci. Alors, en fait, bon, il y a quelques mois, j'avais soumis aux Rencontres R un résumé sur le package Glitter, sur lequel vous avez peut-être vu ma présentation il y a 2 jours. Et en fait, en réponse à ça, j'ai reçu un message de Diane qui me disait « Ah, ben, puisque tu seras là, pourquoi ne pas présenter une keynote ?» Donc j'ai dit « Waouh, une keynote sur Glitter, trop bien, ouais, allez, pourquoi pas ?» Elle m'a dit « Non, une keynote sur ce que tu fais comme métier, voilà, bien que Glitter soit évidemment très très intéressant, ça c'est moi qui le rajoute. » Et donc, du coup, je vous explique ça pour pas que vous pensiez d'emblée que je suis horriblement narcissique de proposer de parler de moi pendant une demi-heure. Voilà, on me l'a demandé, en fait. Donc, en fait, moi, mon métier, c'est ingénieur de recherche. Je travaille au CNRS. Et donc, mon métier, en gros, ça consiste à accompagner la recherche avec « Je vous le donne en 1000 R ». Et du coup, j'ai essayé de vous présenter un peu mes activités en faisant en sorte que ça ait l'air un peu organisé et structuré. Du coup, j'ai divisé ça en 3 aspects. En fait, il y a un aspect un peu pédagogique, on va dire. C'est ce que j'ai appelé les pastels. Il y a un côté package, je pense que je n'ai pas forcément besoin de vous expliquer. Et ce que j'ai appelé paillettes, en fait, c'est plutôt le côté shiny. Voilà, et donc j'ai appelé ça paillette pour avoir ma petite allitération en pas là. Voilà. Donc je continue avec mes pas, du coup je vous présente mon parcours. En fait, moi de base je suis une ingénieure agronome. Alors bon, à mon époque ça s'appelait l'INAPG, maintenant c'est AgroParisTech. À cette époque-là, on ne travaillait pas avec R, en fait, on travaillait avec SAS pour les stats et avec MATLAB pour tout ce qui était programmation. En jouant un peu avec MATLAB, j'ai trouvé que c'était rigolo et en fait, les seules matières dans lesquelles on appliquait un peu la programmation à des problèmes de la vie, en fait, c'était les enseignements en écologie. Du coup, en spécialisation, en dernière année d'école d'agro, j'ai fait un master en écologie. Donc ce master m'a amené ensuite à faire une thèse en écologie qui a rapidement viré vers les stats, en fait. Donc c'est pour cette thèse-là que je suis arrivée à Lyon, où je suis encore aujourd'hui. Et en fait, pendant cette thèse, j'étudiais les données d'abondance poisson dans le bassin du Rhône. Donc, en gros, mon problème, c'était que je devais estimer des moyennes d'abondance en me basant sur des données qui comprenaient beaucoup, 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 beaucoup de zéros. Voilà. Donc, et du coup, j'ai rapidement viré de essayer d'estimer les abondances pour en tirer des conclusions pour l'écologie à oui, mais en fait, est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose de ces données? Donc, un aspect plutôt stat. Donc c'est à l'issue de cette thèse en fait que j'ai appris à utiliser R. En fait, en arrivant dans le labo d'écologie, j'avais pas de licence SAS, j'avais pas de licence MATLAB, et puis j'avais pas non plus un entourage qui savait utiliser R, mais ils connaissaient des gens qui utilisaient R, et voilà, ça paraissait logique en fait à ce moment-là de commencer à apprendre R. D'autant plus que mon expertise en SAS et MATLAB n'était pas encore tellement développée que ça me coûtait beaucoup de me mettre à autre chose. Quoi. Pour apprendre R, donc à cette époque-là, j'ai utilisé le fameux R pour les débutants d'Emmanuel Paradis. Donc c'est pour vous dire que dans mon parcours, en fait, j'ai bénéficié d'un mec qui s'est dit tiens, j'ai un support de R, je le mets en ligne et puis peut-être ça servira à quelqu'un. Bon bah oui, ça m'a servi et je m'en suis rappelé par la suite. Bref. Donc à l'issue de cette thèse, j'ai été recrutée en tant qu'IR au CNRS dans un laboratoire de géographie donc, qui s'appelle Environnement Ville Société qui est toujours à Lyon. Et donc, clairement, c'est mes compétences en R qui m'ont servi à avoir le job. Et donc, un peu, peut-être naïvement, en arrivant dans un labo de géographie, je me suis dit que, sans doute, on allait me demander en fait,
d'aider mes collègues pour, en faisant des statistiques spatiales. Et donc, à cette époque-là, je supputais qu'on allait me demander d'être Timothée Giraud, même si je ne savais pas encore mettre de nom sur le job à l'époque. Mais en fait, pas vraiment, parce que quand je suis arrivée dans le labo, en fait, on va dire la culture un peu quanti, ou enfin, la culture de programmation qu'il y avait dans le labo, qui n'était pas non plus ultra développée, mais c'était plutôt autour des SIG, plutôt autour de Python. Et en fait, j'avais des collègues en fait, dans la plateforme technique et méthodo dont je fais partie, qui maîtrisaient en fait, ces aspects-là. Et du coup, ça ne servait à rien que j'essaye de leur prendre leur job. Voilà. Et du coup, les besoins en fait, qui étaient les plus pressants et auxquels il fallait que je réponde, c'était des besoins en stats, on va dire de base, faire des régressions, faire des ACP, ce genre de choses. Alors du coup, mes missions, donc c'est appui à la recherche, c'est-à-dire aider mes collègues, alors qu'ils soient chercheurs, enseignants-chercheurs, post-docs, thésards, les masters, etc. Je les aide en fait à conduire leurs analyses de données, enfin à les conduire, à les réaliser. Je suis dans l'équipe des permanents, donc je participe à la vie scientifique et administrative du labo en général, ce qui peut prendre un petit peu de temps. Et puis, quelque chose qui n'était pas forcément inscrite de base dans ma fiche de poste, dans les premières années où j'étais en poste, en fait, la part de formation, et notamment de formation continue, en fait, elle a pris une part importante de mes activités. Parce qu'en fait, les étudiants qui arrivaient en M2 ou en thèse avaient une formation très très réduite, voire inexistante en fait au langage de programmation et même au STAT en général. Donc je me suis retrouvée assez rapidement à devoir former un petit peu à des méthodes simples mes collègues. Alors le problème c'est que fallait que je les forme à des choses auxquelles j'étais pas forcément super bien formée moi-même. Bref. Et du coup, rapidement, je me suis auto-formée, pardon. Et puis j'ai voulu capitaliser en fait le travail que je faisais moi pour m'expliquer les tests ou autres. Et pour capitaliser ce travail-là, en fait, j'ai démarré un blog, donc un blog sur R, qui était pour moi-même et puis aussi en partie pour répondre aux demandes les plus fréquentes qu'on me faisait. Donc les premiers billets, ça a été comment on fait une régression linéaire, comment on fait une régression logistique, ce genre de choses. Donc je vous ai dit que je ne m'adressais pas à un public complètement acquis à la programmation, à R, au quanti en général. Donc, un des points de mon cahier des charges personnel, en fait, c'était d'essayer de faire un blog qui était le plus possible un peu convivial et rassurant, parce qu'il y en avait qui arrivaient avec... S'ils avaient une expérience de R, c'était un peu une expérience traumatique, donc il fallait les ramener dans notre giron avec douceur, on va dire. Donc ce blog, en fait, je l'ai démarré en 2014. Là maintenant il y a une cinquantaine de billets, donc avec en moyenne un billet tous les deux mois, donc vous verrez qu'il y a une forte variabilité en fait dans la fréquence avec laquelle j'ai publié sur ce blog. Donc au fil du temps il y a eu de plus en plus de visiteurs, à l'heure actuelle il y en a environ 300 par jour qui en moyenne vont voir deux pages. Alors moi je trouve ça beaucoup en fait. Et ça dépasse d'autant plus mes espérances que je m'attendais de base à... Enfin, je n'avais pas d'attente particulière, donc ça me paraît beaucoup. Et de fait, c'est ce blog probablement qui m'a donné une visibilité en fait, dans la communauté des usagers de R. Voilà, et qui me vaut, par exemple, mon invitation en keynote aujourd'hui, j'imagine. Donc je vous ai remis le lien, donc, ça s'appelle Erratic. Si vous l'avez déjà vu passer, vous reconnaissez peut-être les petites couleurs pastel, jaune, bleu, rose, pour ramener un petit peu de douceur dans ce monde de brut. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'aime bien faire des petits dessins. C'est un peu un alignement en fait entre une stratégie et juste le fait que j'aime bien dessiner, donc assez naturellement, je me suis mise à inclure des dessins dans les billets de blog,
donc pour moi-même et aussi pour les autres, parce que je me suis rendu compte assez rapidement que en fait ça avait beaucoup d'impact en fait, ne serait-ce que quand je communiquais en fait sur les réseaux sociaux sur un nouveau billet de blog, quand il y avait une image associée, il y avait beaucoup plus d'engagement en fait sur le blog par rapport à quand il n'y en avait pas. Bon, bref. Donc l'idée derrière ces illustrations, une fois encore, c'est d'expliquer au mieux les concepts, c'est un peu dédramatiser, démystifier un peu les traitements qu'on fait avec R. Et puis, voilà, je vous ai dit, c'est aussi pour marquer, parce que c'est ce qui fait qu'on va se souvenir de ce billet qui parle de tel sujet ou pas, quoi. Donc moi, je sais que dans ma manière de penser, je pense beaucoup en images, et probablement beaucoup de gens sont comme moi, parce que je constate que, par exemple, les illustrations type anti-sèche, ça fonctionne très bien pour retrouver les fonctions qui font ce qu'on souhaite faire. Bon, là, par exemple, c'était des illustrations que j'avais faites dans l'esprit d'une cheat sheet, donc c'était sur les fonctions de stringer en haut, et en bas, c'était sur les expressions régulières. Donc, ça, c'est les petits dessins avec des petits cubes pour représenter les données, des flèches, etc. Bon, c'est assez classique. Après, ce que j'aime bien faire aussi, c'est des espèces de métaphores en fait, visuelles de certaines choses. D'où je vous ai mis mes best-sellers. Donc, par exemple, en haut, c'était un petit dessin que j'avais fait pour expliquer à quoi ça servait en fait, la fonction map de peur, en disant en fait, une fonction, c'est un peu comme une petite usine. Et puis, quand on utilise la fonction map, c'est un peu comme si on adjoignait à cette usine une petite rampe d'approvisionnement qui permet du coup de faire fonctionner l'usine sur des listes d'objets plutôt que sur un objet individuel. Le dessin d'en bas, en fait, c'est pour expliquer les pipes. Donc l'idée, c'est de dire on va faire une omelette à la ciboulette. Donc l'ordre normal des instructions, c'est on casse les œufs, après on les fouette, après on les met à la poêle. Donc si on fait ça, on salit plein de vaisselle. Si on fait pour pas salir de vaisselle, l'ordre des instructions, il est pas du tout logique. Et du coup, les pipes, ça va être comme une espèce de processus où il y a des petits tuyaux auto-nettoyants qui permettent de faire son omelette à la ciboulette sans salir trop de vaisselle. Voilà. Voilà. Alors, donc, du coup, je vous ai parlé du blog. En fait, à l'origine, c'était un blog, et puis, en fait, de fil en aiguille, j'en suis venue à m'en servir de plus en plus, finalement, comme un site classique, où je fais le lien vers d'autres supports. Donc, en parallèle au blog, en fait, je fais pas mal de formations continues dans le cadre de mon labo. Typiquement, tous les ans, à l'époque des stages de M2, je refais mon petit cycle de formation, de base à R. Et du coup, par exemple, sur mon blog, ex-blog maintenant site, je publie aussi mes supports avec tous mes exos, learners, etc. Des liens vers les applis que j'ai pu développer au fil des années en fait en appui à la recherche. Et puis, j'ai aussi mis des liens vers des bookdowns en fait, que j'ai pu faire. Donc, j'ai fait un bookdown qui s'appelle Le Grimoire. Donc le grimoire, c'est comment faire des stats avec R, mais en se basant sur des données genre potions magiques, lutins, princesses, fées, etc. Donc des choses qui parlent à tout le monde, quelle que soit sa discipline, j'espère. Et j'ai fait un autre petit bouquin comme ça, qui s'appelle Le Descriptoire, qui traite en fait de toutes les méthodes qu'on peut mettre en œuvre en fait, pour traiter des textes, donc pour traiter le langage naturel, ou même pour aller le récupérer en faisant du web scraping ou autre. Voilà. Donc, c'est bon pour la partie pastel. Je suis à combien de temps? Ah, bah parfait. Donc je vous ai dit, finalement, les supports pédagogiques, je me suis rendu compte assez rapidement que en fait, ça avait de l'impact en fait, évidemment au-delà de mon propre labo. Par contre, ça fonctionne parce que ce que j'y publie est très générique et va servir dans le cadre de plein de disciplines différentes. Évidemment, dans mes missions d'appui à la recherche, ça m'arrive de devoir faire des choses qui sont beaucoup moins généralistes.
Donc en fait, pour tout vous dire, dans mon labo, alors je suis certes dans un labo de géographie, un très gros labo de géographie, mais mes collègues immédiats, en fait, ils travaillent en géomorphologie fluviale. Alors reprenons un peu de hauteur pour savoir ce que c'est que la géomorphologie fluviale. Donc, comme son nom l'indique quand même, la géomorphologie fluviale, c'est l'étude de la forme des cours d'eau, pardon. Et la forme des cours d'eau, en fait, ça a des impacts sur les écosystèmes, ça va parler aux écologues. Ça a des impacts sur les ressources en eau, ça a des impacts sur les risques, par exemple les risques d'inondation. Et puis les formes des cours d'eau, en fait, ça résulte de processus hyper complexes, parce que ça résulte à la fois de processus naturels à plein d'échelles différentes, et ça résulte d'influences anthropiques, les barrages, les extractions de granulats, le fait de construire des digues, le fait qu'il y ait de moins en moins d'eau dans les rivières, enfin ce genre de choses. Et donc, moi, quand j'ai vraiment des demandes très spécifiques en matière d'appui à la recherche, souvent c'est dans ce domaine-là. Et du coup, je vous montre des exemples de packages que j'ai pu faire en réponse en fait, aux besoins de mes collègues. Donc là, par exemple, je vous montre un package qui s'appelle Riverbed, qui vise à quantifier les évolutions des lits des cours d'eau. En fait, un des types de données un peu classiques en géomorphologie fluviale, c'est les transects. Donc en gros, c'est les gens qui vont traverser dans la largeur un cours d'eau, alors soit à pied, soit en bateau, selon la configuration. Donc ils y vont avec une petite canne des GPS, et puis donc ils vont faire des relevés le long de cette ligne. Et donc ils peuvent le faire à différents points dans le temps pour essayer d'évaluer en fait les évolutions de la forme du lit, notamment pour étudier les transferts de sédiments. Et donc ils se retrouvent avec des données de profil en travers à plusieurs dates. Et donc typiquement ils vont vouloir comparer en fait des séries de points, évaluer en fait les différences entre deux dates. Éventuellement évaluer les incertitudes parce que peut y avoir plus ou moins de points sur leur transect, la précision du matériel elle peut évoluer avec le temps aussi, etc. Et donc pour répondre à ces besoins là j'ai développé Riverbed. Et donc bon, c'est un peu spécifique parce que c'est que pour les géomorphologues fluviaux, mais en même temps c'est assez courant dans ce milieu d'utiliser ça. Donc je suis contente, j'ai plusieurs collègues utilisateurs de ce package. Ouh, j'en ai au moins 5 et potentiellement 10. Ouh. Voilà. Alors, je vous dis ça parce que potentiellement, j'imagine que la géomorphologie fluviale, peut-être ça vous paraît un petit peu exotique comme discipline. Mais alors, dans ce cas-là, que dire de l'étude du bois mort dans les cours d'eau ? Voilà, je pense qu'on peut considérer que c'est un domaine de niche, mais c'est un domaine sur lequel j'ai pu développer un package qui s'appelle donc Woody. Alors l'idée de Woody, c'est que on va étudier le bois mort dans les cours d'eau parce que le bois mort, ça correspond à des écosystèmes particuliers, ça a des impacts sur les risques d'inondation, ça a des impacts en fait sur les gestionnaires de barrages, parce que régulièrement les gestionnaires de barrages, pour certains d'entre eux, sont obligés de curer leurs barrages pour enlever tous les embâcles de bois qui se sont formés au cours du temps. Et donc au labo, on a des données pour étudier ça, qui consistent en fait à avoir des données vidéo issues de caméras de vidéosurveillance, donc ces données continuent dans le temps. Et en fait, on détecte l'occurrence de chaque bout de bois au cours du temps. Et on va essayer de croiser ça en fait à d'autres données pour comprendre en fait quand est-ce qu'il y a beaucoup de bois morts qui transitent et quand est-ce qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc pour faire ça en fait en l'état, on a commencé à travailler avec des données de débit. Et donc on a des données de débit à différents instants dans le temps, on a des données de bois, d'occurrence de bois à différents instants dans le temps. On va essayer de croiser tout ça, de faire un random forest pour comprendre quels sont les régimes hydrologiques qui impliquent d'avoir beaucoup de bois mort ou pas, et puis du coup essayer de prédire en fait dans quel contexte on va avoir un fort transit de bois mort dans les rivières. Bon, alors ça a l'air tout bête comme ça, mais en fait en termes de manipulation de données, de dates, de temps, etc., en fait c'était hyper long et hyper complexe. Et puis en plus on a mis du random forest là-dedans, donc voilà. Donc ça m'a pris un peu de temps, on va dire.
Par contre, bah, on ne va pas se mentir, le public pour ça, il n'est pas hyper étendu, c'est-à-dire que j'ai deux collègues utilisateurs. Enfin, plus qu'une, parce que le premier ne travaille plus là-dessus. Donc voilà, j'ai une utilisatrice. Pardon. Mais en fait, bah, ce n'est pas très grave, parce qu'en termes de mode de valorisation, moi, comme je suis ingénieur de recherche, bah, ce genre de choses, bah, c'est valorisé dans des articles scientifiques. Et ma foi, bah, pour mon employeur, bah, c'est très bien. Il n'y a pas de problème en fait, en termes de nombre d'utilisation, à partir du moment où voilà, j'ai mon nom dans les auteurs des papiers qui sont produits grâce à ça. Quoi. Et en fait, c'est beaucoup plus difficile de valoriser du point de vue de mon employeur des activités telles que je peux les avoir sur le blog, par exemple, que de valoriser ce genre de choses. Alors que je pense que c'est plus difficile de valoriser ça dans le cadre des rencontres R. Voilà. Alors, un dernier exemple de package que j'ai développé, bah, du coup, je vous reparle de Glitter. Alors, potentiellement, il y a la moitié de la salle qui sait de quoi je parle. En fait, Glitter, c'est un package qui vise à faciliter le recueil et l'exploration des données du web sémantique, du genre DBpedia, Wikidata. Pardon. Et donc, vous me direz, quel est le rapport avec la géomorphologie fluviale ? Eh bien, pour l'instant, il n'y en a pas. Voilà. Juste, bah, c'était un petit, on va dire, mon petit pet project. Et le fait qu'il n'y ait pas de rapport avec la géomorphologie fluviale, en fait, c'est lié au fait que bah, le web sémantique, ça correspond à une structuration de données qui n'est pas très bien adaptée aux données de géographie physique. Mais par contre, ça ouvre un peu des perspectives en termes de SHS. Donc, en fait, moi, le fait que j'ai que j'ai travaillé à ce package-là avec Maëlle, eh ben, ça correspond un peu pour moi au sein de mon labo à un glissement progressif vers les SHS, étant entendu qu'on peut aussi évidemment étudier les cours d'eau d'un point de vue plus SHS que juste description physique de leur forme. Voilà, bon, du coup, je ne rentre quand même pas trop en détail là-dessus. Alors, j'en viens donc à la dernière de mes parties. En fait, dans la partie pastel et package, on va dire que l'idée prédominante, c'était d'aider mes collègues à gagner en autonomie. Et donc, le fait de travailler sur des applis shiny, ça peut sembler un peu contradictoire. Mais en fait, pas tant que ça, parce que même quand on sait coder, bah, ça peut être sympa de faire du clic-bouton de temps en temps. Merci. Bon, en fait, je sais même pas si j'ai vraiment besoin de vous expliquer que Shiny, en fait, c'est pas que de la poudre aux yeux, parce que j'ai l'impression que, enfin, peut-être qu'il y a eu une évolution dans le monde de R ces dernières années, mais en tout cas, ça semble une idée socialement acceptable, en fait, que Shiny, c'est pas que des paillettes, en fait, enfin, que ça a vraiment une utilité concrète. Et en fait, une des premières applis Shiny que moi j'ai développée, c'était bah, en l'occurrence pour quelqu'un qui sait utiliser la ligne de commande, puisque c'était pour une utilisatrice chère à mon cœur, qui est moi-même. Voilà. Donc cette appli-là, en fait, elle essayait de rendre plus facile en fait, l'usage des transformées d'ondelettes. Alors l'idée, c'était que en fait, quand on étudie les cours d'eau à grande échelle, on va les décrire d'un point de vue physique, en ayant des séries en fait, spatiales. On découpe nos cours d'eau en tranches, et puis on décrit certaines choses du cours d'eau à différents points de ces tranches. Donc, par exemple, ça peut être la largeur de la bande active, la largeur du lit mouillé, la largeur du fond de vallée, ça peut être la sinuosité, ce genre de choses. Et donc, on se retrouve avec des séries qui peuvent être potentiellement assez compliquées à interpréter. Par exemple, là, je vous ai pris la rivière Purus en Amazonie, donc qui fait plusieurs milliers de kilomètres. Mais donc, pourquoi j'ai pris celle-là ? C'est parce qu'en en fait, on peut considérer qu'elle est assez naturelle, pour le coup, et même en ne résultant que de processus naturels, bah, y a quand même une sacrée variabilité et des processus à différentes échelles qui s'expriment. Donc là, je vous ai fait la courbure du cours d'eau, ici la largeur de bande active. Et donc là, vous voyez qu'il bah, y a des différentes tendances à différentes échelles, beaucoup de bruit, etc. Et donc, on va se servir de choses comme les transformées d'ondelettes pour débruiter, détendancer,
examiner en fait, le signal à différentes échelles, zoomer à certains endroits, etc. Et donc tout ça, en fait, ça implique que l'interactivité est quand même assez utile, bah, notamment pour zoomer sur les décompositions de signal, etc. Donc, du coup, mon appli Shiny, elle s'appelle The Wavelet Toolcat. Bon, c'était l'époque où je mettais des petits chats partout. Voilà. Et du coup, bon, là, je vous ai pas montré l'appli en elle-même, je vous montre les principales sorties. Donc, on a ce genre de sortie où, en fait, bah, vous avez une description du signal avec la fréquence ici et puis bah, la distance le long du linéaire fluvial ici. Et donc, les couleurs, en fait, vous montrent la variance à différents points du signal et à différentes échelles. C'est-à-dire qu'on dit qu'on a une description, en fait, de notre signal en espace-fréquence. Donc ça, c'est un mode de représentation de ça. Donc c'est les ondelettes continues. Et là, c'est les ondelettes discrètes. Les ondelettes discrètes, ça va permettre, en fait, de décomposer le signal de manière additive en différentes composantes à différentes échelles. Donc, grosso modo, si je regarde ça comme ça, j'y vois rien. Donc, je vais pouvoir aller zoomer et regarder à mes différentes échelles ce qui se passe aux différents endroits, etc. Donc, c'est là que l'interactivité, en fait, prend vraiment tout son sens, parce que certes, j'aurais pu faire les graphiques directement sous R, parce que j'ai fait l'appli, donc j'aurais pu juste utiliser les fonctions pour faire ça. Mais quand même, j'ai besoin, moi, d'aller examiner plus en détail tel point ou tel autre, et de paramétrer aussi les décompositions. Alors, je vous montre un autre exemple d'appli. Il reste combien de temps? Ok, merci. Un autre exemple d'appli, c'est quelque chose, pour le coup, qui fait vraiment l'objet d'un programme de recherche, parce qu'on a eu des sous pour développer une appli Shiny, en fait, qui vise à permettre en fait, aux gestionnaires de cours d'eau, typiquement les syndicats de rivières, d'utiliser tout un tas de données différentes pour mieux faire en fait, leurs évaluations et diagnostics, et pour mieux planifier leurs actions, alors notamment leurs actions de restauration. Donc ça peut être stabiliser une berge, stabiliser une berge avec de la végétation, pardon. Ça peut être implanter des digues, ça peut être ce genre de choses. Et donc pour faire ça, ils ont besoin d'une application pour faire des diagnostics. Elle était belle celle-là. Hein. Et le dernier exemple, en fait, c'est... ce n'est pas le dernier exemple. Donc dans ce projet-là, en fait, il y a un aspect ingénierie sur le développement de l'application en elle-même. Et puis, il y aura aussi un aspect recherche, en fait, justement, qui consistera à mettre en œuvre les différentes méthodes d'analyse du signal pour essayer de faire sens, en fait, de tous ces signaux qui sont hyper bruités, hyper multiscalaires, etc. Et donc, ça y est, j'en viens à la dernière appli qu'on va développer dans le cadre d'une ANR qui s'appelle GlowUrb, qui étudie en fait l'urbanisation des plaines alluviales, mais à l'échelle globale. Donc un des work packages de ce projet en fait, consiste à développer une appli qui donnera à voir en fait, l'ensemble des résultats de recherche de tous les chercheurs impliqués dans le programme. Alors, en fonction de leur discipline, ça sera beaucoup des télédétecteurs, mais du coup, il y aura aussi un peu des données plus SHS, et donc, là, c'est là que je me raccroche à mes développements, par exemple, autour de Glitter. J'ai bon espoir d'inclure des données dans cette appli qui viendront des Linked Open Data et accessoirement de OpenStreetMap. Voilà. Et donc, du coup, il y a une thèse qui va commencer sur l'utilisation de ces données-là dans une utilisation plus SHS, on va dire. Donc, j'en viens à la dernière partie. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je suis une femme. J'ai hésité à faire une partie là-dessus. Au début, j'avais pensé à patriarcat. Je me suis dit, oula, je vais heurter des sensibilités. Donc, j'ai demandé à ChatGPT de me trouver un truc un peu plus soft. Du coup, voilà, j'ai fait parité, ça passe mieux. Excusez-moi, ça me donne soif, du coup. Et je vais reboucher pour ne pas renverser ma gourde sur l'ordinateur. Donc voilà, il y a quelques années, en fait, Maëlle Salmon, voilà, m'avait parlé de AirLady. C'était les débuts de AirLady et elle m'avait demandé ce que j'en pensais. Et en gros, j'avais répondu... voilà. Un truc bien argumenté, comme ça. Moi, dans ma carrière, je n'ai pas été victime de discrimination, de harcèlement, même pas un petit mansplaining ou quoi.
Et du coup, et en plus, je suis dans un milieu qui est quand même relativement protégé, puisque je travaille dans la fonction publique. Et bref, du coup, je ne me sentais pas victime de manifestations vraiment flagrantes de sexisme au travail. Et du coup, j'avais beau faire du R et être une lady, en fait, je ne me sentais pas vraiment légitime pour être considérée comme une R lady. Voilà, ce qui est peut-être, quand on y pense, la quintessence du syndrome de l'impostrice. Mais voilà. Après, il s'est quand même passé un truc dans ma vie qui m'a fait réfléchir, qui est que je suis devenue maman. Et donc, en devenant maman, je me suis dit, ah ouais, en fait, je suis une femme. Et c'est pas totalement neutre, en fait, dans ma manière de travailler. Donc, d'un point de vue juste quanti, en fait, je suis en temps partiel. Et du coup, le fait d'être en temps partiel, ça a eu un peu des conséquences sur la manière dont je m'organise dans mes activités. Alors, je suis pas en train de dire que la parentalité, ça affecte pas les papas. voilà, je veux pas avoir des réclamations à la fin, mais voilà, vous m'accorderez que peut-être ça ne frappe pas dans leur métier autant de plein fouet les papas que les mamans. Enfin, bon, bref. Bon, en tout cas, moi, je l'ai bien senti. Et donc, par exemple, là, je vous montre le nombre de billets de blog que j'ai publié au cours du temps, avec un petit indice visuel de pourquoi peut-être il y a une petite diminution à certains moments. Voilà, donc je ne suis pas en train de vous expliquer que ça fait un an et demi que je ne fiche plus rien. Hein. C'est vrai, c'est juste les billets de blog. Le reste, je continue à faire des choses quand même. Mais du coup, ce que j'essaye de dire, c'est que bah, de fait, j'ai été obligée de redéfinir certaines priorités, de faire des choix, d'apprendre à dire non, ce genre de choses. Bon, et en l'occurrence, pour être totalement honnête, il y a l'effet des enfants, mais il y a aussi le fait que je devienne vieille ou que je gagne en XP, selon la formule de quelqu'un hier soir. Et du coup, bah, y a un peu une transformation en fait, de ce que je fais au jour le jour. J'ai un peu plus de responsabilités, je porte un peu plus des projets de recherche, ce genre de choses. Bref, tout ça pour dire que j'ai quand même un petit peu mûri et un petit peu réfléchi et finalement, j'en suis venue à me dire que, ok, bah, non seulement le fait d'être une femme, ça avait quand même un petit peu de l'effet sur la manière dont je fais mon métier, et puis en fait, ça a un effet dans le sens où je me suis rendu compte que bah, certaines des choses que je fais en fait correspondent au système de valeurs de la communauté R. Donc par exemple l'attention portée à la formation, l'accessibilité des savoirs. Donc je dis au caractère émotionnel des apprentissages. Ce que je veux dire par là, c'est que ben, dans notre communauté, c'est socialement acceptable, voire socialement valorisable, d'expliquer R en faisant des petits dessins roses avec des paillettes. Et donc on arrive même à être valorisé pour ça en étant invité au keynote R. Voilà. Et donc un peu cette ambiance générale qui vise à l'inclusion de tous, des débutants, des femmes, etc. Bah, finalement, bah, peut-être que oui, en fait j'y participe un petit peu et puis j'en bénéficie un petit peu. Alors voilà, selon mes informateurs, je sais que c'est Diane qui a eu l'idée, par exemple, de m'inviter. Donc, je dis pas que j'ai été invitée parce que je suis une femme. Je dis j'ai été invitée parce que voilà, on fait attention à valoriser tout type de travail sur R, pas que le travail des gens qui développent des packages de ouf qui servent à plein de gens, mais aussi les gens qui visent à le faire utiliser par les débutants. Et du coup, je trouve que c'est une super conclusion trop feel good pour terminer mon talk. Et du coup, bah, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Lise. J'espère qu'après ça, tout le monde voudra devenir Lise Vaudor quand il sera grand ou elle sera grande. J'ai une question sur la différence entre concevoir un package et les applications Shiny. Est-ce que ça a été différent de travailler avec un commanditaire qui était l'OFB? Ouais. Et pour une application Shiny par rapport à je fais des packages avec des gens qui sont familiers du package et comment je le conçois l'un ouais. Et l'autre? Alors, ça n'a pas été différent parce que c'est un truc qui est en cours, mais c'est différent à l'heure actuelle. En fait, la
Première différence, en fait, c'est qu'on a essayé de vraiment accorder de l'attention, en fait, aux besoins des utilisateurs. Et on avait des sous pour le faire, c'est aussi ça une différence. Donc on a embauché un ingénieur qui allait faire des audits, en fait, auprès des syndicats de rivières pour vraiment bien identifier leurs besoins. Enfin, voilà, parce que bon, clairement, l'application Ondelet, je l'ai faite pour moi, pour répondre à mes besoins en tant qu'ingénieur de recherche. Donc il reste beaucoup de complexité derrière et en matière de prise de décision, ça ne m'aiderait pas à faire grand-chose. Mais là, du coup, pour le commanditaire OFB, on a pris le soin, en fait, d'inclure un temps dans la conception du package où on réfléchit vraiment aux besoins des utilisateurs. Et en fait, donc la personne qui fait ça fait aussi un audit de tous les jeux de données potentiellement valorisables dans cette application. Voilà, c'est un projet qui a commencé il y a 6 mois. Donc, en gros, la fin de la période d'écriture du cahier des charges, c'est maintenant. Voilà, à l'issue d'une quinzaine d'entretiens avec des syndicats de rivières. Donc voilà, on espère du coup, d'ici 2 ans, quand le projet se terminera, avoir une appli Shiny dont on ne nous dira pas, on ne comprend rien, on ne va rien pouvoir en faire, quoi. Est-ce que ça va déjà changer ta façon de concevoir des packages oui, un peu. En fait, j'étais déjà convaincue, par exemple, de l'utilité de choses comme Golem, par exemple. Et je le suis d'autant plus que bah, là, l'application, elle va être assez touffue, on va dire. Ensuite, alors sur les packages, peut-être pas, mais ça m'amène à réfléchir à, du coup, comment je peux faire pour devenir meilleur en Shiny, parce que il nous faut du Shiny for production et pas du Shiny de Shiny que j'ai fait dans mon bureau toute seule. Donc je réfléchissais peut-être à suivre la formation Thinker pour Shiny. Voilà, concrètement, je ne sais pas si ça répond à la question, mais oui, ça m'amène à réfléchir à ma manière de faire les applis, de devoir faire quelque chose de vraiment pro, quoi. Quand tes utilisateurs sont des packages, est-ce que prendre le temps de réfléchir à quels peuvent être les besoins, quels sont leurs retours et, Alors oui, ça se fait naturellement, en fait, parce que, en gros, j'ai des gens qui viennent me voir avec leur jeu de données, leurs problématiques de recherche, et en fait, on conçoit le package ensemble. Voilà, donc après, j'essaye de porter au maximum la charge du code, mais oui, ça se fait de manière itérative, alors même agile, pourrait-on dire, au fur et à mesure que la personne avec qui je travaille teste le package, je vais changer un peu certaines choses. Et d'ailleurs, les packages que je développe en appui à la recherche, du coup, ils sont pas sur le crâne, parce que déjà, j'ai un utilisateur, et parce qu'ils sont en évolution permanente en fonction des demandes qui me sont faites. Il n'y a pas vraiment de moment où je peux dire « Ok, là, il est terminé, et c'est bon. » On a une question de Lisa qui te demande « Est-ce que le blog et toutes les ressources de ton site sont produits sur ton temps perso en dehors de ton temps de travail ?» Alors non, c'est produit sur mon temps de travail. Bon, y a quelques dessins où je me suis fait vraiment plaisir, où là c'était sur mon temps perso, mais en général le blog, je considère que ça fait partie de ma mission de service public. Et donc oui, c'est sur mon temps de travail que je fais ça. Merci le CNRS, merci vos impôts. Il n'y a plus d'autres questions et il est 37, du coup ce serait l'heure d'aller à la pause. Je te remercie beaucoup Lise pour ce talk. Merci pour l'invitation. Merci pour les slides.